Bonjour, bonjour et bienvenue donc dans un nouveau vlog lecture sur des lectures sur Taylor Swift plus bonus. Voilà, donc là je vous prends plutôt côté bureau, mais je pense qu'apparemment je vous aurai aussi côté face. Donc pour ce premier vlog, j'ai choisi donc le magazine Rolling Stone, donc le guide ultime Taylor Swift. Donc moi j'ai l'édition de la Fnac. Donc il y a l'Eras Tour, les moments les plus forts, quelques photos rares, un quiz, donc le guide complet de ses albums, ainsi que quelques interviews et le top 100 de ses chansons. Où, voilà, je vous en reparlerai à ce moment-là. Donc je vais débuter ma lecture et je pense que ce vlog, cette vidéo sera sur plusieurs jours. Me revoici donc, comme vous l'avez vu dans les précédentes petites séquences, j'ai lu déjà quelques pages et là je suis arrivée donc au top 100 donc, de ces chansons, de ces 100 meilleures chansons. Et donc voilà, ici. Et donc j'ai préparé mes écouteurs pour écouter soit un extrait, soit la chanson en entier, je ne sais pas encore. Maintenant, je ne sais pas si je vais faire les 100 chansons d'un coup ou si je ferai par 25, ou là j'ai la moitié et je continuerai à lire plus loin, ou ouais, ça pourrait être bien. Voilà. Je vous dis donc à plus tard. À part ah oui, ah non, avant de dire à plus tard, ben jusqu'à présent ce que j'ai lu me plaît beaucoup. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. Le magazine me plaît énormément. Donc voilà. Je vous dirai de toute façon mon avis final plus tard. Bon, voilà, je vous reprends. Donc, hier, comme vous avez vu, j'ai écouté déjà quelques chansons. Aujourd'hui, donc, je suis arrivée à cette chanson aussi. Donc, je vais continuer donc entre soit les extraits, soit les chansons en entier. Et voilà, pour l'instant, ça me plaît toujours autant et je reprends plus tard. Voilà, donc je vous reprends. Comme vous l'avez vu hier, je vais continuer à écouter. Donc je suis arrivée ici et donc je vais continuer petit à petit à avancer. Mais en attendant, je voulais vous montrer un petit peu, faire une petite parenthèse et parler lecture. Donc j'ai lu déjà dans les premières mois de l'année deux lectures en numérique, donc des albums jeunesse donc sur Taylor Swift. Donc le premier c'était celui-ci. Donc voilà. C'est un très joli album jeunesse. Je vais vous montrer quelques pages, comme ça vous le voyez. Je trouve que c'est très très joli, j'aime beaucoup les illustrations.
Voilà. Le plus récent, c'était donc celui-ci. Voilà, donc je trouve les illustrations aussi pas mal du tout. Donc voilà, elles sont différentes des autres, mais bon voilà. C'est pas celle que je préfère non le plus, mais voilà. C'était pas mal. Et oups. Donc j'avais téléchargé gratuitement celui-ci. Et celui-là, je dois encore le lire également. Enfin, c'est tous des titres en anglais, évidemment. Mais voilà. Donc celui-là, ce sera un de mes prochaines lectures. Celui-là, c'est juste voilà, pour avoir le set, la set list, etc. Mais celui-là, je lirai prochainement. Donc voilà, je vais retourner à ma lecture. Et je vous dis donc à plus tard. Voilà, donc hier je suis arrivée donc au numéro 19 donc, du top 100. Ce sera donc la dernière partie donc, que je vais filmer aujourd'hui pour le top 100. Donc mes écouteurs sont déjà prêts. Mon petit papier aussi. Et donc maintenant je vais juste déménager pour aller dehors et je vous filme quelques séquences et je vous retrouve plus tard. Voici donc mon fichier où je mets les chansons que j'ai encore téléchargées de Taylor. Donc là, je vais un peu continuer ma liste. Bon, il y en a plus que ça, mais voilà, je fais au fur et à mesure. Ça fait pas très longtemps que j'ai commencé. J'avais commencé par celui-ci. Donc là, je vais continuer au fur et à mesure. Donc voilà. Coucou, voilà donc je vous retrouve en face cam pour vous donner mon avis final donc sur le magazine. Moi j'ai vraiment bien aimé. Alors maintenant peut-être qu'il y a des petites erreurs que moi peut-être que je ne connais pas, mais voilà, moi j'ai bien aimé la partie interview et surtout le top 100 que j'ai trouvé super intéressant. Enfin voilà, il y avait des chansons que je n'avais jamais entendues. D'ailleurs, je les ai notées ici sur ma petite feuille de brouillon. Je me suis acheté un carnet que je n'ai pas encore reçu ben, au moment où je vous filme cette séquence. Mais voilà, peut-être que vous l'aurez avant la fin de cette vidéo. Donc moi j'ai trouvé très intéressant, les photos sont très belles. Voilà, j'ai bien aimé donc comme j'ai dit l'interview, le top 100 et voilà, il y avait aussi quelques petits entretiens au début du magazine qui étaient bien aussi. Voilà, il y avait le poster donc avec la photo qu'il y a sur la couverture parce que c'était donc dans l'édition Fnac. Voilà, donc je trouve qu'il était bien. Moi, j'ai bien aimé. Donc, voilà. Donc, voilà pour cette lecture. Également, vous montrer donc ma petite pile à lire concernant Taylor. Donc, le premier, c'est donc Taylor Swift. Donc, Parole de Swiftie. Donc, de Marcos Bueno et Laia Lopez. J'ai également le tout premier que j'ai acheté. Donc, c'était Taylor Swift New Generation. Il y a également un magazine, donc Taylor Swift, donc le fanbook. Et je vais vous montrer également donc mes deux achats jusqu'à présent donc sur Taylor du mois d'août. Donc il y a au cœur de l'univers de Taylor Swift. Voilà. Et le second, c'est donc Taylor. Alison Swift, la rebelle devenue icône de Morgan Giuliani.
Voilà donc pour les lignes que j'ai jusqu'à présent, qui donc seront dans les prochaines vidéos consacrées donc à mes lectures sur Taylor. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous préférez voir en premier ou pas. Voilà. Donc, je reviens vers vous avant de clôturer cette vidéo, pour vous donner mon avis donc sur ce reportage d'envoyé spécial donc de France TV. Vous avez vu, vous avez mis quelques petites deux, trois images du reportage. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé, surtout les entretiens, je trouvais que c'était très intéressant. Par contre, il y a juste des. Enfin, je trouvais qu'il y a par moments des termes employés qui étaient un peu. Enfin, voilà, ça m'a un peu dérangée, je sais pas trop pourquoi, mais voilà, ça m'a dérangée. Donc, dans l'ensemble, c'était pas mal. J'ai bien aimé surtout les interventions, vis-à-vis des entretiens. Comme vous l'avez vu, il y a celui donc de Morgane Giuliani, qui est donc l'autrice de Taylor Swift, la rebelle devenue icône. Donc voilà. Je vous mettrai le lien donc de ce reportage en barre d'infos, comme ça si jamais vous voulez le voir. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous le regardez à me dire. À me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, je pense que cette première vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense lire au moment où vous verrez cette vidéo. Je pense que je commencerai à une autre lecture ou une ou plusieurs lectures sur Taylor la semaine suivante. Et voilà, j'espère que cela vous a plu et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.